Bonjour, alors solidaire d'abord, aujourd'hui on est quatre autour de la table pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'histoire de la commune, puisque en fait on va fêter les 150 ans de la commune, hein, de Paris, de 1871. Voilà, alors le petit plan, j'essaye de vous faire un petit plan résumé très rapide, on va faire une introduction évidemment du sujet, on va parler un petit peu du contexte du 19e siècle, puis du contexte précis de la guerre de 1870, entre autres. Qu'est-ce que c'était les insurgés? Qu'est-ce que c'était la commune? Qu'est-ce que ça a amené, la commune? Après, évidemment, il y a eu des faits, les deux armées en présence, les batailles, les morts, etc., la fin des combats. Et puis maintenant, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette commune? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous dans notre vie de tous les jours? Alors pour tout ça, on est quatre autour de la table. Hein. Je ne sais pas, on se présente rapidement peut-être, si tu veux bien, Gilles. D'accord, oui. Donc Gilles, je suis militant depuis toujours. Je fais partie de plusieurs organisations syndicales et politiques. Syndical, j'ai été élu national d'un syndicat de la FSU, et ensuite je suis parti à la CNT et j'ai milité pendant 10 ans à la Fédération anarchiste. Voilà, d'accord. Et maintenant je suis aussi adjoint à Chirol et on essaye de mettre en place une forme de commune, à Chirol aussi. Ouais. Denis Gilet Jaune. Oui, Marie-Claude, donc. Moi, je suis intéressée par la commune, en fait, de Paris. Ça m'interpelle parce que je fais beaucoup de liens avec ce qui se passe actuellement. Je vois beaucoup de gens malheureux et qui sont... Enfin, on parle du peuple, on parle de tout ça, et ça m'interpelle, voilà, pourquoi je suis là. Moi aussi, Michel, très intéressé par cette histoire-là. Et en fait, en replongeant dedans, je me suis rendu compte que j'étais très loin de tout savoir. Et ça m'a interpellé sur en fait les corrélations que je trouve avec notre époque. Oui. C'est-à-dire il y a plein de choses à dire de cet ordre-là. Alors qu'est-ce que c'était la Commune de Paris, hein? Vite fait une petite introduction. C'est une période insurrectionnelle, hein, de l'histoire de Paris qui dure en fait un peu plus de 2 mois, hein, 72 jours, et qui se termine par une semaine sanglante. Alors ça s'est passé en mars, 18 mars, c'est pour ça qu'il va y avoir une commémoration dans la semaine. Il y a en fait la chute de l'Empire qui se passe en 1870, parce que c'est l'empereur qui a mené cette guerre de 1870 catastrophique contre l'Allemagne qui était en train de se constituer, puisque en face il y a les États allemands qui sont en train de se fédérer et qui vont donner la grande Allemagne après. Hein. En sachant qu'en plus de ça, ça a été fait par l'empereur Napoléon III pour mettre un terme aux mouvements sociaux qui se développaient en France à ce moment-là. Voilà, voilà, entre autres. Et d'ailleurs, il a même été un peu épaulé par Bismarck au passage, pas conjointement, puisqu'il avait déjà abdiqué entre-temps, enfin bon, bref. Voilà. Donc il y a eu la chute du Troisième Empire, il y a une Assemblée nationale qui est élue, qui est à majorité monarchiste. Hein. Alors évidemment, ils ne vont pas voir du tout d'un bon oeil une révolution qui pourrait se passer et qui viendrait de la part des Parisiens. Il faut dire que ce n'était pas la première fois, on en reparlera sûrement tout à l'heure, qu'à Paris, il y avait des gens qui avaient des idées très très arrêtées sur quelque chose de vraiment plus collectif, de vraiment vivre ensemble autrement que pour servir les besoins de la bourgeoisie ou des grands patrons ou de la finance. Hein. Et cette commune, c'est une réaction à la défaite française, évidemment, et donc à cette Assemblée nationale qui est pas intéressante. Alors, il me semble que toi, Marie-Claude, tu avais des choses à dire sur pourquoi la commune aussi. Oui, moi, j'ai lu pas mal et j'ai vu que... Enfin, j'aimerais quand même assez décrire l'ambiance qu'il y avait avant la commune,
pour amener tout. Comment, pourquoi des ouvriers, des salariés de l'époque se sont révoltés? Mais il faut remonter déjà Paris, ce qu'était Paris avant. Je vois que, enfin, ce que j'ai lu, c'est que depuis 1853, le baron Haussmann, qui était préfet de Paris, avait changé plus ou moins la ville. Et qu'il avait fait de larges avenues, des espaces plus grands. Il a fait raser des vieux quartiers où se barricadaient les émeutiers de 1830 et de 1848. Et Paris comptait environ 2 millions d'habitants à l'époque. Et donc, autrefois, les riches et les pauvres vivaient de côte à côte dans la même ville, mais dans les mêmes quartiers. Mais là, les riches et les pauvres, ils ne se côtoient plus. Les pauvres sont repoussés à la périphérie de Paris et vont de plus en plus loin travailler. Ils font des fois 2 heures de route pour aller bosser dans le centre de Paris. Les riches, eux, pratiquent la chasse à courre, fréquentent les parcs et les belles avenues. De nombreux bals sont donnés. Et donc la France, c'est l'opulence pour les riches, l'extrême misère pour les pauvres. Donc ensuite, bien sûr, le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. C'est un désastre. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870 avec toute son armée. Le 4 septembre à Paris, la foule envahit le palais Bourbon et exige la proclamation de la République. Alors, tu disais, Denis, que ce n'était pas la première fois que le Napoléon III en question faisait des conneries, puisqu'il avait fait un peu n'importe quoi au Mexique. Par exemple. Ben c'est lui qui est allé faire la guerre au Mexique, c'est lui qui a vendu la Louisiane, qui a vendu l'Alaska. Bon, c'est pas grave, parce que bon, maintenant les colonies, c'est fini, le temps béni des colonies. Mais c'est Napoléon III, il était pas au taquet, on va dire. Ouais. C'était un socialiste avant l'heure. Vous savez qu'il se revendiquait de socialisme. Donc on voit ce que ça a pu donner avec les socialistes qu'on a eus à l'heure actuelle. Oh, on a les mêmes, hein. Malheureusement. On a quelques monarchies socialistes aussi. Voilà. Alors c'est vrai que ce qui interpelle beaucoup dans tout le processus qui s'est passé avant que la Commune explose, c'est que en fait on vivait depuis pratiquement un siècle après la Révolution française, enfin 80 ans, avec en fait sans arrêt des retours sur la monarchie, puisqu'on a eu la Restauration, on a eu le Premier Empire, on a eu etc. Et puis après on a eu une monarchie de juillet, hein, comme ça s'est appelé. C'est-à-dire que même si après le mouvement de 1830, pareil, c'était un mouvement populaire, il y a un soulèvement populaire, pof, il est maté, derrière on te sert un mouvement monarchiste, une monarchie constitutionnelle, comme ils ont pu dire. Hein. 1848, révolution, 25 000 quand même personnes qui ont été jugées, 5 000 personnes qui sont tuées comme ça dans la rue, hein, flinguées comme ça. Hein. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à la Commune, à ce qui va se passer à la Commune aussi. Et donc, ces gens qui se révoltent, non, mais derrière, on se retrouve avec un empire, quoi. Bon, bonjour les élections, quand même. Je sais pas comment qu'est-ce que t'en penses, toi, Gilles ? Par rapport aux élections. Moi, je suis anti-système électif parce que pour moi, c'est un leurre. Alors, déjà, il faut savoir que le système électif, au départ, a été mis en place pour donner une légitimité en fait au gouvernant, puisqu'il n'y avait plus la légitimité de Dieu, puisqu'avant le roi était choisi par Dieu, donc lui, il fallait bien qu'il soit légitimé autrement. Et il a été légitimé par suffrage dit universel, qui au départ était un suffrage censitaire. Dans un premier temps. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire, suffrage censitaire? Censitaire, ça veut dire que seuls les riches avaient le droit de vote. Ouais. Il fallait avoir un certain nombre de cens, c'est-à-dire d'argent, pour pouvoir voter. Une fois qu'ensuite ça a été plus démocratisé, il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de voter. Ouais. Il a fallu aussi pendant de longues années pour que les femmes aient enfin le droit de voter. Là, les femmes ont lutté pour avoir le droit de vote, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et quand j'entends dire aussi que quand je vote pas, je bafoue les gens qui sont morts pour le droit de vote, mais personne n'est mort pour le droit de vote. Des gens sont morts pour des idées de liberté, d'égalité, de fraternité, de sororité, on dirait maintenant et tout, mais jamais pour le droit de vote. Le droit de vote a été instauré pour faire taire les gens, au contraire.
Ouais. Donc voilà, alors donc cette introduction est en fait, il se passe donc des événements, puisqu'il y a la guerre de 1870 qui tourne au boudin, hein, pour la France en tout cas pour Napoléon qui perd à Sedan, qui se fait plus ou moins capturer, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Bon, donc on change de système, il y a une assemblée nationale qui est élue avec, cherchez l'erreur, 400 monarchistes dedans. C'est-à-dire qu'on vient de se prendre un coup derrière la tête parce que justement il y avait un système qui était en place et on le change par un autre système qui ressemble beaucoup au premier, quoi. Voilà. Bon, voilà. Et en même temps, très très difficile d'arriver à conserver le fait qu'on ne se retrouve pas avec un roi qui rentre à nouveau par la fenêtre. Hein. Et le gouvernement s'installe à Versailles. Voilà. Et le gouvernement s'installe un symbole de plus. Peu de temps après, enfin bon, il s'installe à Versailles juste avant que la Commune commence. Parce que en fait, avant, ils étaient partis à Bordeaux un petit moment. Hein. À Bordeaux au départ et ensuite ils sont allés à Versailles. Ils vont à Versailles et quand ils partent à Versailles, il y a toute une partie des Parisiens qui les suivent. Tous les Parisiens friqués, ça représente quand même 100 000 personnes hein, qui partent à Versailles. Et ils partent avec tout l'argent. Le pognon, etc. Donc ne reste dans Paris que des gens qui n'ont rien. Et les Prussiens qui défilent. Parce que 1er, 2 et 3 mars, on a les Prussiens qui défilent à Paris. Donc voilà, c'est ça qui en même temps fait exploser la marmite. Parce que les gens, quand les Prussiens s'en vont, ils mettent le feu dans la rue pour purifier l'air. C'est-à-dire, ça sentait le Prussien, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est suite à un siège abominable de Paris. Hein, en plein hiver, hiver meurtrier, où les gens sont morts. Cinq longs mois d'hiver, ouais. Avec des famines, de la misère et tout, quoi. Donc, effectivement, les gens... Ouais. Les Parisiens sont battus, justement. Ils ont tenu bon pendant tout ce siège. Et tout ça pour rien, puisque les Prussiens finissent par défiler dans Paris. Voilà. Alors, on avance, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup. Il faut me couper. Hein. Qui sont les insurgés? Alors, on voit que dans les gens qui sont élus par la commune, il y a 20 élus. Tu en parlais un petit peu hier quand on a préparé déjà comme ça en se rencontrant, Denis. Il y a 20 personnes qui sont élues du côté bourgeois, on va dire, qui ne viendront pas siéger. Hein. Oui, carrément. Ils sont minoritaires, donc voilà, ils ne siègent pas. Et donc, mais par contre, s'il y a des ouvriers, il y a un peu toutes les classes sociales qui sont représentées. Ouais. Donc, c'est représentatif. À part que les 20 qui étaient élus, qui sont minoritaires, du coup, les bourgeois ne se présentent pas au Parlement. Alors, ce qui a déclenché vraiment dans les faits la commune aussi, c'est Adolphe Thiers. Hein. Il avait un joli prénom, Adolphe, Thiers. Et donc, il déclenche la commune parce que, entre autres, il avait déjà essayé, en 1848, il avait fait monter des fortifications autour de Paris pour protéger Paris ou pour... emprisonner Paris, en fait. Parce que comme c'était commode, tu vois, il y a des fortifications autour de Paris, donc les Parisiens ne peuvent pas sortir. Et si jamais il y a des salopards de gauche hein, à l'intérieur de Paris, c'est facile pour pouvoir les éliminer après. Hein. Et donc en 1848, il avait déjà proposé ça au roi Louis-Philippe, puisqu'il y avait... Hein, voilà. Et donc ça a pas, ils n'ont pas fait en 1848. Bah, pourquoi pas le faire en 1870 hein. Donc en fait, on peut se demander si c'est pas un coup fourré quand même de Thiers, tout ça, qui va pousser à ce que les communards se lèvent comme ça et qui après pourra les éliminer et éliminer toute la gauche française. Ça donnait de mauvaises intentions à Thiers. Oui, vraiment le pauvre Thiers, je suis en train de le charger. Bon, alors, à l'intérieur de la commune, il se passe plein de choses. Alors, Gilles, tu voulais dire des choses, et puis toi aussi, Marie-Claude. Et... Oui, bah... Ouais. Surtout, y a eu quand même des mesures qui ont été phares, quand même. Ils ont fait une commission qui était à la tête de 9 autres commissions. Et ils ont refait les lois, quoi. Ils ont refait. Moi, j'ai retenu 3 mesures qui m'avaient un peu interpellée. C'était la suppression de l'armée permanente, qui a été remplacée par la garde nationale, où tout citoyen devait faire sa partie, son armée. Enfin, il avait son mot à dire aussi, quoi, dedans. À la garde nationale, les chefs étaient élus par les gens de la garde. Voilà. Et puis aussi l'élection et la révocabilité de tous les responsables dans l'administration.
la justice, l'enseignement et, et donc la garde nationale. Et chez les élus aussi. Et chez les élus étaient irrévocables aussi. Voilà, ça, ça m'avait aussi interpellée quand même, parce que c'est quand même fort, je trouve. Et aussi la limitation du traitement des employés de la commune à celui d'un ouvrier, c'est-à-dire que bon, on mettait tout le monde sur le même plan au niveau salaire, au niveau voilà. Et on pourrait faire ça maintenant avec les ministres, enfin non pas avec avec les députés. Pas que les ministres. Hein. Et ce que je n'ai pas trouvé vraiment, enfin j'ai trouvé ça très bien, mais je n'ai pas trouvé vraiment d'exercice, enfin. D'exercice fait là-dessus, mais enfin, l'égalité, j'ai trouvé un truc, c'était l'égalité totale entre les hommes et les femmes sur le plan juridique et politique. Et donc, voilà, je sais pas, vous pouvez peut-être dire autre chose là-dessus. Ouais, bah en fait, donc moi, je voulais aussi, je voulais surtout mettre l'accent sur le rôle des femmes dans la commune, en sachant que le mouvement féministe a commencé à se structurer un peu avant 1871, en 1860 à peu près, où il y a des premières femmes qui se syndiquent et compagnie. Mais en 1871, la commune, elle a aussi démarré par les femmes, en fait. Parce que Thiers a envoyé ses soldats s'emparer des canons de Montmartre, qui étaient là pour se défendre des Prussiens, en fait, au départ. Et les femmes se sont réveillées en entendant les bruits des sabots, des chevaux, et elles se sont opposées aux militaires. Elles ont tenu bon jusqu'à ce que la garde nationale arrive, et un général a ordonné de tirer dans le tas, et là, les soldats, enfin, un certain nombre de soldats ont mis crosse en l'air, et ont rejoint les communards. Donc c'est les femmes, déjà au départ, qui ont eu cet acte de courage et qui ont empêché ça. Ensuite, les femmes ont eu un rôle actif pendant toute la commune, et elles se sont battues, déjà pour pouvoir être au front en même temps que les hommes, parce qu'au départ, même chez les communards, c'était pas bien vu. Il y avait eu Proudhon, penseur anarchiste qui disait que les femmes ne devaient pas prendre part aux choses publiques parce que sinon elles ne pourraient pas avoir d'enfants, elles ne pourraient pas s'occuper de leurs enfants et compagnie. Et donc elles se sont battues contre tout ça et elles ont mis en place effectivement tout un ensemble de choses, donc le droit de se syndiquer, le droit de faire grève pour tous, l'école laïque gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles, et donc le droit de se battre sur les barricades. Au départ, ça a été Louise Michel aussi qui a voulu pouvoir créer des ambulances femmes, c'est-à-dire le droit de soigner les blessés au front. Alors que c'était que les hommes qui les soignaient. Et elles ont pu aussi faire reconnaître les unions non mariées. Enfin, les veuves de fédérés avaient le droit à une pension, qu'elles soient mariées ou non. Les enfants de fédérés morts au combat avaient le droit à une pension, qu'ils soient reconnus ou illégitimes. Et ça, c'est les femmes qui ont obtenu ça. La séparation de l'Église et de l'État. En fait, plein de choses qui... ensuite ont été effacés par le bain de sang de la fin de la commune et qu'on a mis presque des centaines d'années à remettre en place, quoi. Ouais. Oui, donc l'Union des femmes pour la défense de Paris, ouais, hein, c'était ça. Elles arrivent à avoir le droit au travail, l'égalité des salaires, l'égalité etc. Il y a l'autogestion qui est là aussi, ouais. Sur le chemin de l'émancipation des femmes, c'est vraiment quelque chose d'important. En sachant qu'avant la commune, les femmes qui travaillaient déjà devaient travailler souvent chez elles pour pouvoir s'occuper des gamins en même temps, elles étaient sous-payées, elles étaient en concurrence directe avec le clergé qui employait des femmes gratuitement et compagnie, et elles étaient souvent obligées de se prostituer pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Comme. Donc, et les femmes ont interdit la prostitution pendant la commune, en disant que c'était une exploitation, effectivement, d'une partie de la population par une autre. C'est de l'esclavage, hein, c'est pas autre chose. Hein. Donc voilà. Et donc, ouais, il y a aussi des choses très importantes au niveau des bureaux de placement qui existaient jusque-là. Et tu disais que... Oui. Les bourses de travail ont été créées au 19e siècle, en fait, les premières bourses du travail, c'est les ouvriers qui les géraient, enfin, le prolétariat qui les gérait. Et en fait, les patrons devaient aller à la bourse du travail pour aller chercher des employés. Et le salaire se négociait là. Et tant que le patron n'offrait pas un salaire suffisant aux gens qui voulaient employer, ben, il repartait sans personne. Donc, c'était les ouvriers, les employés qui fixaient les salaires à l'époque. Voilà. Alors, ce qui a un petit peu changé depuis aussi. La commune interdit les amendes patronales, puisque en plus il y avait des amendes patronales, il pouvait y avoir ou des retenues sur salaire, quoi. Tu vois le truc sympathique, tous ensemble, quoi, hein, collaborateurs, comme ils disent maintenant. Tu sais.
Enfin, voilà. Oui, pour parler un petit peu de l'ambiance que subissait le peuple, que tu as un petit peu abordé, Marie-Claude, il me semble aussi que, Denis, tout à l'heure, tu faisais référence à Victor Hugo. Ah oui, Victor Hugo, Victor Hugo. Qui était quand même un grand élu de l'époque, hein, et qui, en même temps, a été élu, hein, un grand écrivain, une référence, évidemment, à plein de niveaux, moral aussi. Alors oui, qu'est-ce que tu disais? Oui, ben, c'est Victor Hugo, ben, il a été inspiré en écrivant Les Misérables. Donc oui, il s'est basé sur des faits réels, puisqu'il était à l'époque, mais il était présent. Il n'a pas besoin de faire de recherche. Et il a écrit Les Misérables, qui retrace, bon, avec sa vision à lui, et puis un peu romancé, mais la vision des choses de l'époque. Sur tout ce qui est mesures vers les pauvres aussi, la commune s'est illustrée. Sur la gratuité, la laïcité dont tu parlais tout à l'instant pour l'école, sur le séparatisme de l'Église et de l'État, hein, ils ont été quand même aussi très très en avance par rapport à ça. C'est quand même la pareil. Création des premiers syndicats. Voilà. Ensuite, ils ont. À plein de niveaux, ils ont amené des choses qui ont pu être reprises par la suite comme revendications pour les gens qui étaient dans des mouvements populaires. Après, les premières femmes aussi qui se sont battues pour la commune, certaines étaient déjà des militantes syndicats, des militantes politiques, certaines venaient de l'AIT. Alors l'AIT, c'était l'Association internationale des travailleurs, qui était une association fondée par Bakounine à l'époque. Qui avait voté Bakounine. Contre la guerre de 1870. Voilà, c'est ça. Et donc c'était la version libertaire de l'internationale, en fait. Et certaines faisaient partie de la première internationale. Et d'ailleurs, il y avait une femme qui était envoyée par Marx aussi pour voir un peu ce qui se passait et pour pouvoir inspirer le mouvement communiste international. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le mouvement de la commune est un mouvement internationaliste. Il n'y avait pas que des Français, il n'y avait pas que des Parisiens. Il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, c'était international et tout le monde avait le même droit à la parole. C'est-à-dire qu'à la même époque, la Pologne est quasiment niée, elle n'existe quasiment plus, hein, parce qu'elle s'est fait bouffer par l'ogre allemand. Entre autres l'Autriche d'un côté, enfin voilà, et puis la Russie évidemment aussi en a bouffé un tiers, ils sont trois à bouffer la Pologne, qui n'existe quasiment plus, ouais. Et qui avait mis tous ses espoirs dans la France, mmh. et qui donc, alors il y a des gens qui sont venus se battre pour les Polonais du côté des Versaillais, c'est ça, comme il y en a qui se sont battus du côté des Communards. Ouais, c'est ça. Et là ils sont restés avec les Communards. Hein. Ils sont restés avec les Communards. Alors, quand on discutait tout à l'heure pour préparer l'émission, on disait, parce que là l'heure tourne et ça va être bientôt la fin, que ça nous interpellait par rapport à l'époque actuelle. Hein. Oui. Vous l'avez dit les uns et les autres. Les parallèles qu'on peut faire avec l'actualité de maintenant, c'est impressionnant. Hein. C'est dingue. C'est dingue. On retrouve les mêmes problèmes maintenant qu'ils avaient à l'époque. Peut-être un peu moins sanglant quand même, faut pas non plus... Parce que ça s'est terminé quand même avec 10 000 morts, oui, fusillés comme ça. Hein, la semaine sanglante, ça a été terrible. Ouais. Mais... Femmes et enfants aussi. Oui, enfants. Oui, il y a pas eu de quartier. Les femmes étaient au front, elles en ont pris tant qu'elles ont voulu aussi après. Mais le truc, oui, on peut faire beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé à cette époque-là et maintenant. On change les noms, on change les lieux, mais... voilà, on est toujours dans le même système de lutter contre la bourgeoisie et les patronats. Et on comprend en même temps avec cette histoire que, en fait, le background, enfin, l'état d'esprit qui peut y avoir, qui est très monarchiste, ou à l'époque c'était ça, mais du côté du pognon et du côté des gros quoi, hein, finalement, c'est encore très présent en France à l'heure actuelle, hein, pour arriver à un moment donné à dire c'est pas comme ça qu'on arrivera à s'en sortir collectivement vraiment, c'est difficile, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui croient encore et qui marchent comme ça, quoi. Oui, Marie-Claude. Oui, non, je disais que je pensais que quand même ça devait être terrible ce moment de la semaine sanglante là, mmh. aussi, parce que les gens, il y a eu des dénonciations, ils devaient plus savoir à quel sein se vouer, parce que de toute façon, il y avait des gens qui se faisaient fusiller, mais il y avait beaucoup de misère en même temps, il y avait beaucoup, donc c'était vraiment grave comme et à la sortie. Ils ont été pratiquement laminés et on n'en a pas retenu ce qui m'étonne par rapport à l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on est revenu en arrière après.
On n'est pas. Et là aujourd'hui, moi, je fais des parallèles justement avec cette population qui a été massacrée, mais qui vivait déjà dans la misère, qui vivait. Donc aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ça, on voit ça, mais on voit aussi, comme sur Paris, les gens qui sont repoussés aux limites de la ville, et de plus en plus, on les repousse, ils font de plus en plus d'heures de transport pour aller travailler et tout. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies, enfin, je ne sais pas. Et alors là, il est question de commémoration, excuse-moi, tu vas pouvoir... Et donc, commémoration au Sacré-Cœur. Alors là, c'est vrai que ça, tous les gens qui sont un peu proches de ce qui s'est passé là font des bonds sur leur chaise, quoi, parce que évidemment c'est complètement fou. Vous savez qu'à l'origine de la construction du Sacré-Cœur, il y a un truc qui s'appelait le vœu national, qui était porté par un baron Hubert Rouault de Fleury, n'est-ce pas, et qui lui a constitué le Sacré-Cœur pour montrer à quel point c'est pour expier les vœux de la commune. Voilà. Pour expier les crimes de la commune. Voilà, pour dire que les communards étaient que des criminels, quoi, en gros, hein. Et en sachant que c'est donc Madame Hidalgo qui veut faire ça. Donc, voilà. En 1905, il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État, inspirée directement donc de ce qui a été fait pendant la commune. Et maintenant, on a celle qui va être la future présidente de France, quand même, qui va au Sacré-Cœur. Donc voilà, la séparation de l'Église et de l'État, quoi. Allez, à bientôt. Bon courage. Au revoir. Au revoir.